Regardez vos montres. On est très précisément à peu près à 7 mois de la présidentielle. Et c'est pour cela qu'on va avoir une table ronde, enfin table ronde, une tribune assez politique. Parce que comme à chaque fois, à chaque présidentielle, la question de la place du logement dans les programmes politiques des candidats va se poser, ou elle va briller par son absence, hein, c'est selon. Parce que finalement, ça a été assez peu présent en 2017. Les questions, les polémiques ne manquent pas. On en a déjà évoqué un certain nombre depuis le début de ce congrès. Le logement social est-il un coût, un investissement pour la collectivité? Comment accélérer la transition environnementale? Comment faire face à la demande toujours plus importante, j'en passe, et des meilleurs? Alors, on va évidemment revenir un petit peu sur la politique depuis 5 ans, mais surtout, on va se projeter pour savoir ce qui ferait une bonne politique pour les 5 ans qui viennent. Je vais vous présenter les personnalités qui ont pris place sur cette tribune, en commençant par Romain Biessy, président du Conseil social de l'USH, Nassima Dindar. Oui, vous pouvez l'applaudir, mais on va dire que vous allez tous les applaudir une fois que je les aurai tous présentés. Comme ça, on va aller plus vite et vous allez économiser des douleurs de main. Nassima Dindar, ici, sénatrice de La Réunion. Alain Dinin, le président directeur général de Next City, qui a la fierté, il ne le dira pas, donc je le dis, il vient de réaliser le 1000e logement de pension de famille en 3 ans. Christine Lecomte, là-bas, bonjour à vous, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, Sylvia Pinel, qui est ici, qu'on ne présente pas, députée, ancienne ministre du Logement. Christophe Robert, faut-il vous présenter, d'ailleurs vous aussi, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et puis Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment. Un petit mot, si on en revient finalement au début de ce congrès, à la crise de la construction, quelle analyse vous faites des causes de cette crise? Et j'ai envie de commencer avec vous, Alain Dinin, puisque vous vous construisez beaucoup. C'est très, très gentil. Juste deux précisions. L'une, je ne suis plus directeur général de cette entreprise. Je suis comme Jean-Louis Dumont. J'ai passé la main. J'ai passé la main à Véronique Bédac, qui est la directrice générale du groupe et que certains d'entre vous ont connue parce qu'elle a été très impliquée dans la vie politique française. Et puis, je n'ai malheureusement pas encore réalisé 1000 logements en pension de famille, mais on avait pris le pari à l'époque, il y a 3 ans, après une déclaration du président de la République qui était « il faudrait faire plus de pensions de famille », on avait pris le pari, on avait parlé d'ailleurs avec Christophe Robert, d'être capable de multiplier par 2, en tant qu'opérateur privé, le nombre de pensions de famille en France, c'est-à-dire d'en faire 1000 de plus dans les 3 ans. Et donc, on a déposé les permis de construire pour ces 1000. Il en manque 3. Maintenant, sur la crise du logement, si vous m'autorisé, et vous allez m'arrêter parce que vous savez que je suis bavard, mais je voudrais juste vous montrer ça. Oui, parce qu'on a 40 minutes. Voilà, donc on va se dépêcher. Je voudrais vous montrer ça, c'est un manifeste, une publicité qu'on avait fait, un manifeste qu'on avait fait chez Next City. Donnez-le-moi, je vais le... Alors attendez, parce que je voudrais vous le lire. Je vais vous lire 2 lignes. Comment accepter que dans cette France, le logement soit devenu une difficulté pour des millions de personnes, un défi pour les collectivités et une urgence pour l'État? C'était en 2005. Voilà. Qui dans la salle pense qu'il y a des choses qui ont changé depuis 2005? Les questions, les constats, l'ensemble de ce que nous connaissons sur les sujets du logement. Alors je suis très surpris qu'on se pose la question aujourd'hui, etc. Tout a déjà été dit dans la salle, le monde du logement social, et on est un opérateur indirect du logement social. Next City fait 1 logement sur 15 en logements sociaux depuis maintenant plus de 20 ans. L'ensemble du diagnostic est connu. Et les politiques, puisqu'on parle de politique, alors, avant les présidentielles, disent qu'ils vont faire des choses sur le logement. Ensuite, tout de suite au début, ils essayent de faire quelque chose. Puis ensuite, très curieusement, ils commencent à faire des choses vers la fin, quand c'est 6 mois avant les élections présidentielles et quand il s'agit juste de se dire que peut-être il faudrait donner des gages. Mais ces gages, ils engagent qui, au fond? J'ai entendu que M. Castex a fait des promesses. Très bien, ça va dans le bon sens. Mais bon, il n'est plus là dans 6 mois. Et le nouveau président de la République, qui sera-t-il? Quand je regarde l'ensemble des équipes de campagne des futurs présidentielles, de ceux qui se sont présentés ou qui vont se présenter. Vous savez, ils nous donnent l'organigramme des gens qui vont bosser avec eux. Il n'y a
une seule personne candidate à la présidentielle qui est aujourd'hui un conseiller logement. C'est dire si le sujet dont on parle reste totalement... Ah bon, ça, vous le regarderez. Enfin, en l'occurrence, il n'y a pas de raison de le cacher, c'est Anne Hidalgo. Ah, mais les vous n'hésitez pas longtemps, hein, quand même. Hein. Non, mais bon, on est entre nous, ça ne va pas être répété. Les autres, pas un seul conseiller logement. C'est-à-dire que ce sujet-là est pris en compte nulle part. Comment peut-on demander, et je pense au monde du logement social, on vous enlève en 2018 10% de vos ressources, en même temps on vous dit qu'il faut vous reconfigurer complètement. En fait, vous êtes en train de faire une course de vitesse dans laquelle, un, on vous dit moins d'essence, et deux, on vous dit vous allez au stand pour refaire la voiture. 3 ans après, on dit ah bah tiens, oui, on n'a pas fait assez de ceci ou de cela. Voilà, hier j'étais avec un ancien Premier ministre, je ne vous dirai pas qui, qui me disait, je lui disais, il faut réguler le prix des terrains. Il me dit, ah bon, on peut faire ça? Et oui, on peut faire ça, il faut juste du courage. Pierre Messmer. Non. même si je salue les ministres du logement qui sont dans cette salle, j'en ai connu 17, je suis, comme M. Dumont, un très ancien dans ce sujet. Et d'ailleurs, au passage, il disait qu'il était promoteur. Je reconnais au logement social d'être promoteur. D'ailleurs, je suis un partisan, moi aussi, de la maîtrise d'ouvrage directe, forte, des opérateurs sociaux. Reconnaissez-nous aussi à nous, peut-être, le fait qu'on peut être pas seulement des opérateurs du privé. Nassim Adindar, sur cet état des lieux que vous faites de la politique du logement aujourd'hui et des années passées. Sur l'état des lieux, moi, je crois que non seulement je vais parler de La Réunion, mais de l'ensemble des Outre-mer. Pourquoi ? Parce que l'enjeu du logement social, il est réel. Mais je veux quand même souligner que depuis 20 ans, moi j'étais présidente du département de La Réunion pendant 14 ans, le mouvement HLM a beaucoup fait pour les DOM, particulièrement à La Réunion, et je voulais ici en faire le témoignage. On a beaucoup construit, on a progressé, parce qu'il y a eu aussi des moyens de l'État. Nous avons eu des régimes de défiscalisation, la fin de la défiscalisation sociale nous laisse quand même, Madame la Ministre, la loi Pinel, mais ça n'est pas suffisant parce que la fin de la défiscalisation de logement privé aurait pu faire avancer la cause du logement social et en voir des constructions. Or, nous avons arrêté ce chantier. On construit moins de logements. La faute à qui, à quoi ? J'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure. La ligne budgétaire unique qui est gérée par le ministère de l'Outre-mer, cette annualisation ne donne pas des perspectives sur le moyen et long terme ni aux opérateurs et encore moins aux collectivités et aux bailleurs. Donc je crois que s'il y a des propositions à faire, c'est que ou on fasse de la pluriannualité sur la ligne budgétaire unique qui finance le logement social et qui ne devrait pas non plus faire de l'aménagement parce qu'il manque de l'argent et nous allons toujours, tous les ans, en négociation sur la loi de finances, demander quel sera le montant de la ligne budgétaire unique. Et donc le frein, il y a au niveau donc de l'aide à la pierre. Je crois qu'en tant qu'ancien élu, nous revendiquons que l'aide à la pierre soit mieux aidée, que nous donnons de la lisibilité aux bailleurs, mais il y a d'autres freins à La Réunion. On vient d'évoquer le prix du foncier. Sur les territoires aussi exigus que les îles, hein, dans nos territoires, tels qu'ils soient, le prix du foncier est important, les matériaux qui coûtent très cher, mais il y aura d'autres propositions à faire, et puis l'aide à la personne. Je voudrais aussi, donc, nous marchons sur deux pieds, nous construisons des logements avec une aide à la pierre, mais nous logeons des gens, parce que loger n'est pas habiter, et pour faire habiter des citoyens qui ont des revenus plus bas que la moyenne nationale, nous avons à La Réunion un revenu médian inférieur à la moyenne nationale, des publics vulnérables qui n'ont pas les moyens nécessaires de payer des loyers. Or, ils sortent plus chers au mètre carré. Dans les DOM, le petit balcon, ce qu'on appelle nos varangues, font partie du mètre carré habitable, alors qu'on ne peut pas y mettre un lit. Et donc, on ne construit plus suffisamment des petits logements. Et au fond, nous avons du mal logement parce que nous n'avons pas non plus
entretenu pour certains des logements sociaux qui ont été construits. Il y a donc aussi un grand besoin de réhabilitation des logements sociaux. Je ne sais pas si vous allez me repasser la parole tout à l'heure. Vous êtes courte et qu'on on va pouvoir donner la parole à tout le monde. Vous parliez de construction, on va passer la parole à Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment. C'est quoi le bilan que vous faites de ces dernières années ? Écoutez, le bilan que l'on fait, c'est que la chute anormale de la construction de logements neufs n'est pas due à la crise et a déjà commencé depuis 2018. Donc pas due à la crise sanitaire. Avec cette fameuse sobriété foncière qui a été prônée au niveau de l'État à l'époque, au niveau des préfets. Et donc certains maires, déjà avant les élections municipales de l'an dernier, avaient déjà commencé à freiner sur les permis de construire. Ça, il faut le dire. Évidemment, la crise derrière a amplifié tout ça avec le problème des permis de construire, avec des gens en télétravail non numérisés, donc ce blocage qu'il y a eu. D'où aujourd'hui des chiffres, il faut le dire, catastrophiquement bas. Ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas construit aussi peu de logements sociaux. Donc évidemment, pour notre activité, ça fait très mal pour le secteur du BTP. Maintenant, on a beaucoup travaillé, on parle de logement social, mais il faut aussi parler de rénovation énergétique. Donc là, je donnerai 18 sur 20 à ce qui a été fait depuis un an et demi. On a co-construit cette prime rénov avec le gouvernement et Mme Vargon en particulier. Donc ça, c'est très positif. Mais le fonds Friche, qui est excellent aussi, où ces choses-là ne suffiront pas à loger nos millions de personnes qui sont soit très mal logées, soit dans l'inconfort, soit pas bien logées. Donc, comme on a aussi évolué à la Fédération française du bâtiment, on avance en filière depuis un an et demi. On en parlait avec les architectes, avec les maîtres d'œuvre, avec certains maîtres d'ouvrage, avec l'USH en particulier aussi, plus tout ce qui est équipe de maîtrise d'œuvre, plus aussi, il faut le dire, les constructeurs, les distributeurs de matériaux. On sera beaucoup plus fort là-dessus. Et on a pris aussi nos engagements avec ce gouvernement pour proposer des choses. Et moi, l'urgence logement, ça fait déjà depuis le mois de juin dernier, 2020, qu'on a décrété cette urgence. Je suis très satisfait, comme le disait Alain Dinet, qui met quelques bémols, mais moi non. Je suis très optimiste par rapport à ce qui s'est fait au niveau de la commission Rebsamen, parce qu'on y a été vraiment fortement impliqué avec François Rebsamen. Je suis allé à Dijon moi-même pour lui proposer, sur les 20 propositions, il y en a 13 de fait sur la fiscalité et tout ce qui est finance. Nous attendons avec impatience les prochaines du tome 2 le 20 octobre, où là il sera question de délai, de recours, il sera question de simplification de permis de construire. Et là je pense que booster cette construction neuve ne pourra se faire que si ces mesures, celles qui ont été proposées avant-hier et celles qui seront proposées au mois d'octobre, soient légiférées, décret ou quoi, et pour redonner un coup de boost vraiment à la construction neuve. Si on n'y arrive pas, j'ai déclaré la semaine dernière, dans 2 à 5 ans, c'est une crise sociale majeure qu'il va y avoir. On le sait, on le dira tout à l'heure, je m'exprimerai sur les 5 prochaines années, mais avec tout ce qui nous touche, RE 2020, la loi climat résilience, la REP. Comment on va le dire dans quelques instants, le prix du logement risque d'augmenter, donc attention, c'est aussi un fort écueil pour la suite. Sylvia Pinel, c'est pas une question piège, mais c'est toujours évidemment bizarre de demander à quelqu'un de juger la politique de ceux qui ont suivi, ancienne ministre du logement vous-même. Oui, effectivement, si on doit dresser à ce stade un bilan, on va penser que je suis avec un manque d'objectivité certain. Mais moi, je vois 3 blocs de choses qui ont été difficilement vécues par les acteurs du logement et du logement social en particulier. C'est d'abord le premier projet de loi de finances avec la réduction du loyer de solidarité, les APL, un certain nombre de réductions de certains dispositifs. Je pense à l'APL accession, je pense à l'accession sociale à la propriété, je pense à certains dispositifs pour favoriser le logement intermédiaire qui ont finalement fait perdre la confiance, ont atteint la visibilité nécessaire aux acteurs. Et à cela s'ajoute évidemment le contexte politique avec les élections municipales, mais aussi l'acceptabilité dans les territoires de certains projets de construction. Et tout ça mis bout à bout fait que finalement la dynamique s'est un peu grippée.
Et nous avons alerté sur justement ce besoin de confiance, ce besoin de stabilité de certains dispositifs. Pourquoi ? Pourquoi je parle de l'ensemble des segments ? C'est que si nous voulons fluidifier les parcours résidentiels, si nous voulons donner des logements à ceux qui sont en attente et souvent depuis bien longtemps d'un logement social, eh bien il faut qu'on puisse avoir un parcours résidentiel beaucoup plus fluide, aller vers du libre, aller vers de l'accession sociale à la propriété, par exemple. Et cela demande également un fort travail de confiance et de concertation avec les territoires et avec les bailleurs dans nos départements, mais également avec les élus locaux, avec les maires, pour que justement, par rapport à cette question de l'acceptabilité des projets de construction, qui a été vécu, et je le crois vraiment sincèrement, comme un frein, et dans tous les travaux que nous avons pu mener, et notamment au sein de la commission Rebsamen, on voit bien que, quels que soient les clivages politiques, on sent bien que sur le terrain, il y a ces blocages. Et pour pouvoir lever ces blocages, cela demande un fort accompagnement des élus, qu'ils puissent aller jusqu'au à la constructibilité maximum des PLU, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et qu'on puisse travailler aussi sur l'accompagnement financier lorsqu'on construit. Parce que lorsqu'on construit dans une commune, eh bien, il y a beaucoup de charges supplémentaires, de construction d'écoles, de crèches, de mobilité, qu'il faut aménager. Et cette vision globale de la politique du logement, finalement, elle doit être prise de bout à bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un segment qui manque, parce que si on détricote l'aide aux maires bâtisseurs, si on abîme la capacité des bailleurs sociaux de produire, si on ne favorise pas l'accession à la propriété, si on ne met pas une vraie politique d'urbanisme en place, eh bien tout ça, ça se bloque, et ça se bloque très vite. Et du coup, les résultats et les conséquences, disons, on les a pour des années, parce que le temps de la construction, c'est un temps long, et le temps des projets, ça ne sort pas de terre comme ça. Et donc ça, cette connaissance du temps long, il faut vraiment l'avoir en ligne de mire dès qu'on arrive, finalement, et c'est peut-être un peu ce qui a péché. Alors on va demander maintenant aux architectes ce qu'ils pensent de tout cela. Christine Lecomte. Oui, alors, il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, on n'a pas peut-être la même politique du logement en attente par rapport à il y a 5 ans, parce qu'entre les deux, il y a quand même eu les gilets jaunes, il y a quand même eu le confinement, il y a quand même eu une espèce de révélateur aussi d'une attente sociale et habitante beaucoup plus vaste sur la qualité aussi de là où on habite, et sur aussi une politique de l'aménagement du territoire. Et donc, ce que nous, on a aperçu depuis une dizaine d'années, c'est une baisse de qualité dans la production du logement qui s'est faite, et notamment par les processus de défiscalisation et de revente. Et là, c'est devenu le passage d'un habitat qui est devenu un habitat à un produit économique. Donc là, aujourd'hui, on arrive à un moment donné où on a besoin... C'est contre Alain Dinin que vous dites ça. Pardon ? C'est contre Alain Dinin que vous dites ça. Non, je pense qu'il faut, on juge personne, on est sur un état de fait. Je veux dire, à un moment donné, il faut se poser la question, je suis désolée, mais je vais finir mon propos, si vous voulez bien. On arrive à un moment donné où on va être confronté non pas qu'à une crise du logement, mais aussi à une crise écologique. Donc on va avoir besoin de gérer les deux en même temps. Et donc, effectivement, on va avoir besoin, un, de bien réhabiliter, un, d'extrêmement bien construire, puisque, comme on l'a précisé tout à l'heure, il va y avoir la question de sobriété foncière, et trois, de loger tout le monde. Donc, en fait, ça fait énormément de choses. Ça veut dire que, je ne jette pas la pierre aux promoteurs, je dis on va tous être obligés de faire un quart de tour. On va tous être obligés de se positionner autrement et de travailler autrement. Il y a certains de confrères comme Quartus qui appellent à des états généraux du logement. Moi, je pense qu'on est à un moment donné où cette parole du logement, elle est confrontée aussi aux problématiques d'aménagement du territoire et d'écologie, l'étalement urbain, la sobriété des ressources, le gaspillage des matériaux, je suis désolée de le dire, les 60% de déchets que produit le bâtiment chaque année, etc., etc., les 40% d'émissions de gaz à effet de serre de notre secteur. Et donc, tout ça, c'est un ensemble, et on n'est pas contre, on est ensemble. Donc à un moment donné, il faut qu'on fasse ce quart de tour tous ensemble, les architectes le feront, je suis sûre que les promoteurs le feront, d'ailleurs il y en a plein qui le font, et les acteurs, la Fédération française du bâtiment, on en parlait tout à l'heure, il faut travailler en filière, parce que sinon on conçoit des choses et que derrière on n'a pas le savoir-faire, ça ne fonctionne pas, il faut que les élus nous suivent, et l'acceptabilité du logement, elle viendra, parce qu'en fait ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est des habitats dans lesquels les gens sont bien. Et ce qui n'allait pas, c'est qu'on n'a plus construit de l'habitat, on a construit du produit.
Et donc, quand on est en face d'un produit, ben, on n'a pas envie. On a envie de la ville. Et la ville, c'est autre chose que ça. Donc, aujourd'hui, on doit retrouver cet esprit d'équipe collectif. Et c'est, à mon avis, dans ce sens-là qu'il faut qu'on ait des propositions des candidats aux présidentielles. Parce que dans tout ça, il y a quand même du collectif et du commun. Et c'est ce commun et cette vision stratégique qui est un peu manquante depuis quelques années dont on a besoin sur le ménagement du territoire. Christophe Robert. Je pourrais répondre après Alain Dunin, mais il n'y avait pas une attaque contre vous. Christophe Robert. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Non, mais vous vouliez que je vous pose une question. Bah oui, mais vous bon, ne alors, pas et voulez, on n'a pas le temps. Vu de la Fondation Abbé Pierre, comment est-ce que vous jugez ces dernières années? Waouh. Oui. Bah, vous vouliez une question, vous l'avez eue, oui, là. Oui, non, mais d'abord, quand même... On dit, effectivement, depuis une quinzaine d'années, ce sujet n'occupe pas la place qu'il devrait occuper. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'au fil des campagnes, cette question-là n'a pas trouvé la bonne place. C'est un problème. Il faut qu'on en tire un certain nombre d'enseignements. On a peut-être aussi des responsabilités collectives, j'en sais rien. En même temps, en 15 ans, il s'est passé des choses. C'est-à-dire qu'on a vu se creuser les inégalités qui passent notamment par la question du patrimoine, notamment par la question de l'immobilier. On a vu augmenter les coûts du logement, pénalisant tout un pan de la population de manière croissante, pour plein de raisons. Hein. Le prix du foncier, les prix des matières premières, je ne jette la pierre à personne, sauf que la situation sociale, de même que la situation sur le plan des inégalités ou de la ségrégation territoriale, a évolué dans le mauvais sens. Donc, tout n'est pas comparable. On est dans un moment extrêmement difficile, et si on prend ce temps, par exemple, d'aujourd'hui, la flambée des coûts de l'énergie est une catastrophe pour pas mal de ménages. Ménages catégorie modeste, et évidemment pour les plus pauvres d'entre nous. Donc il y a un problème. Maintenant, si on revient sur le quinquennat, bon, écoutez, on a deux leviers pour exercer la solidarité dans le domaine du logement en France, ce sont les APL et le logement social. Ça ne fait pas tout, on en parlera, hein, dans le domaine privé, etc. Mais ces deux leviers d'exercice de la solidarité dans notre pays, on les a réduits, sur la durée du quinquennat, de l'ordre de 10 milliards d'euros. Donc, c'est ce que vous disiez, Alain Dunin, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire plus avec moins. Donc, à un moment, la question se pose de est-ce qu'on veut encourager, bien sûr, ça relève d'enjeux, pas seulement de l'État, mais avec les collectivités, j'ai bien en tête tous les enjeux, hein, autour de l'artificialisation des sols, la tension sur la densité, il va falloir qu'il y ait ce débat dans la société, il est compliqué, mais on peut l'avoir, on a une intelligence collective, on peut discuter avec les habitants. Mais quand même, dans le développement de l'action de la politique publique, couper 10 milliards et pas dire on va réorienter ces 10 milliards en disant bah, par exemple on pourrait faire plus, mieux, à des endroits plus adaptés par rapport aux besoins, à des niveaux de loyer de sortie qui correspondent davantage aux capacités financières. Non, c'est une baisse de dépenses budgétaires purement et simplement. Donc ça pose un problème. Ça pose un problème et ça a évidemment des conséquences. Moi ce que je pense c'est que, alors on peut revenir sur le quinquennat, il y a le plan quinquennat logement d'abord qui lui nous amène vers une autre dynamique pour la question des plus fragiles, qui nous dit, et vous le savez, hein, on augmente chaque année le nombre de places d'hébergement d'urgence. Le gouvernement, d'ailleurs, cette année, a maintenu 40 000 places, les a pas fermées, et c'est satisfaisant, c'est un vrai engagement. Mais enfin, la pression qui pèse sur ce secteur de l'hébergement d'urgence, qui n'est pas satisfaisant pour les gens dans la durée, et qui n'est pas satisfaisant sur les finances publiques, montre à quel point il y a urgence, quand même, dans notre pays. Donc, il y a eu des réponses qui sont apportées. Le plan logement d'abord, lui, il réoriente en disant... les gens ont besoin d'un logement, et le logement, ça ne sera pas la récompense, ça sera le levier de la reconstruction quand on a vécu des choses difficiles. Ce plan, il est plutôt bien. Il y a les pensions de famille, on l'a dit, l'intermédiation locative, il semblerait que le Premier ministre veut rebooster, on attend peut-être des annonces prochaines. Il y a une volonté d'attribuer davantage aux personnes sans domicile. Il y a un certain nombre d'objectifs qui sont très positifs. Il me semble que l'élément aussi très positif de ce plan, c'est de l'avoir fait avec les collectivités locales. Ce n'est pas juste un truc qu'on décide dans un ministère, mais on propose aux collectivités de s'engager. Le problème, c'est que ce plan, il a été contrarié par ce que j'évoquais tout à l'heure. Moins de moyens sur les APL, moins de moyens sur le logement social. Et il n'a pas suffisamment monté en puissance. Donc pour conclure, moi je dirais oui, on a déjà beaucoup, beaucoup tous ensemble partagé le diagnostic. Moi, ce qui me frappe, c'est que tous les acteurs qui sont ici établissent le même diagnostic. C'est quand même dingue. Je veux dire, c'est pas tous les secteurs où... je ne dis pas qu'on a tous les mêmes solutions. Ah ben non, on va y venir aux solutions, oui, justement. Mais enfin, sur l'importance du logement pour la ville, pour le développement économique de nos territoires, pour l'emploi,
pour la question de la scolarisation, pour la question de la santé. Bref, sur ces sujets-là, on partage. Comment se fait-il que nous ne puissions pas être entendus pour faire de cette question du logement un des 4, 5... Mais vous allez peut-être, enfin être entendu. À la vitesse supérieure là-dessus. Romain Biessy, président du Conseil social de l'USH. Oui, merci. Je m'inscris dans les interventions de mes prédécesseurs. La situation est catastrophique et là, on est vraiment au rendez-vous avec l'histoire. On manque, depuis des années, d'un esprit d'anticipation, d'un esprit de stabilité, d'un esprit de financement. Ça veut dire qu'on est contraint depuis des années à subir une politique de restriction qui n'a que le court terme et la rentabilité maximum des projets, alors que le logement d'habitat se situe, on l'a tous dit, dans un projet à long terme. Le constat est aussi particulièrement catastrophique. Les 10 milliards, c'était un des éléments que je voulais mettre sur la table, et oui, il nous manque des milliards. Comment est-ce qu'on peut construire, comment est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir, comment est-ce qu'on peut assurer la stabilité locative, l'entretien du patrimoine, la production, lorsqu'on nous demande de serrer la ceinture et puis de faire avec, et en laissant aux générations futures la solution qu'on ne saura pas. Et quand l'État ne donne plus l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un crédit et on permet de s'endetter encore plus? Moi, la vraie question que je me pose, c'est quelle génération, quel poids de la dette il va y avoir pour pouvoir permettre de passer ces politiques actuellement budgétaires qui sont systématiquement dans la restriction. Et puis, il y a un symbole aussi très fort qui nous a choqués, qui a choqué l'ensemble des associations de locataires, qui a choqué la CSF. C'est le désengagement total de l'État sur le Fonds national de l'aide à la pierre. C'est inadmissible. C'est clairement inadmissible. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une logique où la solidarité va être avec les pauvres et les moins pauvres, qu'on va être dans des sociétés complètement cloisonnées. Je veux aussi relancer, le constat, on l'a pas partagé, donc là, il y a de l'émotion, mais on est aussi à un rendez-vous avec l'histoire. Nous sommes tous ici des partisans du logement social qui doit garantir la fonction généraliste. Nous sommes d'accord. Sauf que le constat, c'est qu'on a un parc social qui vieillit de plus en plus, qui s'appauvrit de plus en plus, et que la pente actuellement, eh ben, c'est qu'on se dirige vers un parc social qui va être un parc résidentiel, un parc résiduel de fait. Et comment on va changer de braquet? Comment est-ce qu'on va permettre à avoir justement vous savez, le poids de l'angoisse pour les familles de savoir où leur enfant va loger et dans quelles conditions. Il y a eu une période, pas si longtemps, sur l'autel de l'habitat, où les générations savaient que, grosso modo, la question du logement, ben, ça allait être un taux d'effort facile et un accès facile. Et puis on a eu un tournant dans les années 2000, et c'est devenu la principale préoccupation des ménages. Et on n'en entend plus du tout parler dans les grands enjeux présidentiels. Là aussi, c'est inadmissible. Moi, j'appelle sincèrement l'ensemble des candidats à se préoccuper du problème fondamental de tous les ménages. La question du mal-logement ne touche pas que les populations les plus défavorisées. La question du logement touche un arc de population qui va des classes moyennes aux classes inférieures, et on est aussi de la responsabilité de construire des alliances, des convergences, parce que c'est un combat global. C'est là-dessus qu'on va faire reposer aussi le concept de la mixité. Alors, pardon, voilà pour ce premier tour de table. On va se projeter maintenant vers l'avenir, si vous voulez bien. Pour qui on vote? Je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter, mais qu'est-ce que vous attendez finalement du nouveau gouvernement, du nouveau ministre du Logement? On va commencer avec vous, Nassima Dindar. Au fond, et pardon de vous presser un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. L'USH a fait pour l'ensemble des Outre-mer, mais ça vaut pour la France hexagonale, le diagnostic. Et propose une territorialisation de la politique publique de l'habitat Outre-mer. Je veux mettre un bémol parce que, je le dis, nous avons reçu Emmanuel Wargon, et je pense que la vision cohérente de l'ensemble de ce que c'est que habiter demain dans les villes, comme dans les bourgs, le gouvernement l'a fait. Ils ont pris en compte tout ça. Il y a un deuxième point que souvent nous éludons. C'est des strates successives que nous avons, nous, dans notre propre administration. Alors oui, les collectivités territoriales, qu'il s'agisse des mairies, d'un conseil départemental, d'une communauté d'agglos ou de communes ou la région,
L'État leur a donné, la loi leur a donné des compétences qu'ils ont beaucoup de mal à mettre en cohérence et à mettre en place sur le terrain. Moi, je crois que demain, il faut véritablement, sur tous les territoires, des partenariats publics-privés. Non pas qu'on doive les opposer, mais au contraire, qu'on doit au contraire donner en cohérence et en partage sur des territoires à développer pour permettre aux hommes et aux femmes d'y vivre dans les meilleures conditions. La loi 3DS qui a été discutée à l'Assemblée nationale comme au Sénat, et je pense qu'on n'est pas allé au-delà de ce que nous aurions pu faire, aurait pu effectivement simplifier les choses. Pourquoi ? Parce que pour construire, il y a à défendre le prix des loyers qui doivent sortir moins cher pour des publics vulnérables, oui, mais pour cela, on doit aider l'aménagement, mettre du frafu. L'aide de l'Europe est une aide très importante. Chaque région devrait pouvoir bénéficier des FRAFU. Et donc, c'est cette coordination publique-privée, mais aussi avec tous les strates dont nous avons aujourd'hui, et les bailleurs, ceux qui construisent à faire face sur un territoire, ce sont ces strates-là qu'il faut peut-être simplifier pour faire avancer le logement social, le logement intermédiaire, l'accession à la propriété. Alain Dinin, qu'est-ce que vous attendez du prochain ministre du Logement ? Du prochain ministre du Logement, d'abord, il y en a quatre dans la salle, peut-être que je ne les ai pas tous vus. Je crois que j'en connais 17 ou 18. Ce sont tous des gens de bonne volonté, mais comme ceux qui travaillent dans nos entreprises. Mais nos entreprises, pour qu'elles puissent travailler, pour que les gens puissent avoir une action, il faut qu'il y ait une pensée. Voilà. La pensée du logement social, c'est de s'occuper des gens du logement social. La pensée du logement en France, c'est quoi ? Donc, c'est pas le ministre du logement que j'attends, c'est le président de la République, quel qu'il soit, quel que soit son sujet, qu'il s'exprime. Et peut-être que si je devais lui suggérer quelque chose, et je le fais en toute sincérité, je lui dirais, faisons une France de bien logés. Faisons pas une France où s'opposerait tel secteur et tel autre. Arrêtons de segmenter nos sujets. Tout à l'heure, vous m'interpelliez en disant « Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est Alain Dinin qu'on attaque ?» Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si je suis... Oui, je faisais le malin. Je reconnais j'ai que pas envie de ce là, je n'ai pas été très je fin. Je n'ai plus envie de ce débat-là. Je ne vais pas dire le promoteur, c'est un spéculateur qui s'en met plein les poches à chaque fois que les terrains augmentent. Parce que d'abord, sur la longue période, vous verriez qu'on gagne 8%. J'ai dit que je m'excusais, Alain Dinin. Non, mais ce n'est pas ça. Mais je ne suis pas plus un spéculateur que le monde HLM ou que Action Logement sont assis sur un trésor de guerre. Et je ne suis pas plus un spéculateur ou un riche du logement social que la Fédération du bâtiment ne fait pas son boulot en ne faisant pas l'industrialisation. On est tous liés ensemble. Donc le sujet, si on doit se dire pourquoi si on a un rendez-vous avec l'histoire ? Malheureusement, je suis devenu un tout petit peu sceptique sur le rendez-vous avec l'histoire parce que malheureusement, et le disait Sylvia Pinel tout à l'heure et aussi ma voisine de droite, le temps long est important. Les élus que nous avons en face de nous, ils ont leurs propres contraintes aussi. On ne va pas commencer à se renvoyer la balle en disant « Ah, c'est le politique qui ne fait pas son boulot » ou « C'est le maire de telle ville qui ne donne pas les permis de construire », etc. Oui, bon, il y a ce sujet-là. Mais il y a d'abord les gens. On discutait avec Christophe, si tu me permets de poser ça, on discutait avant d'arriver ici. Il y a 20% de la population française dont le reste à vivre les met en seuil de pauvreté. Il y a 50% de la population française qui, avec un enfant, gagne moins de 3000 euros par mois. Il y a 54% de la population française qui, dans 10 ans, sera monoparentale ou personne seule. Et on continue de nous expliquer qu'il faut construire grand, que les prix de terrain peuvent monter au ciel, que ça n'a pas d'importance. On se refuse à la régulation. Je le dis parce que je parle pour Nexity, mais en tant qu'opérateur privé, quand même, on va le dire, 20 000 logements neufs cette année dans le privé, quand même, c'est une référence. Nous sommes prêts à plafonner nos marges, à condition que quelque part, on ait aussi une régulation sur le prix du foncier, que les PLU soient opposables, que les bailleurs sociaux, puisque vous parliez, excusez-moi, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais comme on est tous ensemble, ce que j'entends ici, c'est qu'on est tous prêts à faire alliance pour une cause commune, et ben, qu'on vous redonne la liberté sur les loyers, de façon à ce que vous puissiez arbitrer vos biens. Non mais, excusez-moi, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, peut-être que je dis un débat qu'on va clore. Non, mais, voilà, quoi. Pardon ? Voilà. Fin du RLS. Voilà. Alors, non mais voilà, il y a plein de solutions. Je ne disais pas que le rapport Rebsamen n'est pas bon et que ce n'est pas une bonne démarche. Je dis juste qu'il ne nous apprend rien. Tout ce qu'on a, on le sait. Alors, on va continuer de dire que c'est la faute de l'autre.
Ou peut-être qu'on pourrait se dire ensemble et en profiter de cette session, puis moi j'en profite parce que comme je ne suis plus que président de Nexity, je n'ai plus de fonction opérationnelle, et si on faisait une alliance, et si on allait dire au présidentiel et qu'on intervenait tous ensemble et pas en ordre dispersé, pas l'ordre des architectes d'un côté, le logement social de l'autre, etc., mais qu'on se mettait ensemble autour d'une table et qu'on disait et qu'on pose comme un ultimatum au présidentiel que lorsqu'ils nous auront dit ce qu'ils vont faire sur le logement, ils le fassent. Voilà ce que je propose. Formidable applaudissement qui permet de couper la parole à Alain Dinard. Sylvia Pinal. On change l'ordre un peu. Il faut pas habituer le. Voyez. Non, pour moi, il y a trois grands chapitres. D'abord, c'est de redonner un vrai pouvoir au ministère du logement pour en faire une priorité. Et quand je veux dire un vrai pouvoir, ça veut dire que ce ne soit pas un ministère qui obéit docilement à la logique de Bercy. Parce que c'est finalement pour faire une politique à la fois de construction, de rénovation, de réhabilitation, avec des pensions de famille, avec tout ce qu'on vient de dire, bien, il faut des moyens. Il faut des moyens à la fois pour le logement social, pour la personne, mais aussi pour les collectivités territoriales qui accueillent ces logements-là. Et donc c'est pour cela qu'il faut couper cette tutelle budgétaire et ne pas regarder la politique du logement que comme une politique économie, comptable. Parce que si on regarde, parce que ça c'est ce qu'on ne fait jamais, on regarde les coûts de la politique du logement, mais on ne regarde pas ce que ça rapporte. Et donc il faut se remettre ça en perspective. Ensuite, il y a une question de fiscalité. Cette question de fiscalité, ça doit être un des gros enjeux du futur quinquennat sur lequel il faut effectivement travailler. Je note que pendant ces cinq ans, nous avons déposé un certain nombre d'amendements à l'Assemblée pour revoir un certain nombre de dispositifs. Malheureusement, nos amendements sont restés fermés. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive à l'opposition. D'ailleurs, par rapport aux annonces du Premier ministre à l'ouverture de ce congrès, moi je salue, c'était attendu, un certain nombre de dispositifs, mais il va falloir voir comment on pérennise, parce que j'ai bien vu que c'était expérimental, et c'est un peu inquiétant, et puis il y a la question du stock qui n'est pas non plus traité. Bon, donc ça c'est des sujets qu'il faudra poser. La question de la territorialisation, parce que tous les territoires ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes spécificités, n'ont pas les mêmes problématiques, et donc il faut adapter les dispositifs en fonction des zones. Et puis il y a un enjeu de mixité et de cohésion sociale. Et pour cela, il faut vraiment veiller à ce que la loi SRU ne soit pas détricotée. Moi, je suis très inquiète du texte tel qu'il est sorti du Sénat, qui n'a pas encore été, chers collègues, arrivé à l'Assemblée. Je ne sais pas s'il le sera. En tout cas, il faudra y faire très, très attention, parce qu'on a vu l'efficacité pour lutter contre les égoïsmes locaux, pour aménager notre territoire, et ça, c'est fondamental. Et là-dessus, je suis inquiète. Donc, SRU, fiscalité, foncier, troisième enjeu, et c'est un aspect important, parce que qui dit sobriété foncière dit rareté du foncier et donc augmentation des coûts. Et donc là, avec la pénurie des matériaux, ça fait beaucoup de choses qui peuvent être très négatives sur le terrain. Et je reviens à mon temps long. Donc tout cela, priorité d'une politique du logement ambitieuse et efficace pour tous les segments du logement. Merci Sylvia Pinel. Olivier Salron. Alain Dinard le souhaite. La FFB a déjà fait les états généraux de la construction, et donc on peut faire aussi les états généraux du logement, puisqu'on est tous d'accord. Hein, on a tous la même analyse. Donc si on veut avancer ensemble, c'est ce que l'on veut. Ne regardons pas trop derrière. Il faut proposer des choses innovantes, des choses un petit peu aussi déstabilisantes pour certains, mais en tout cas, oui, il va falloir qu'on se mette tous au niveau. La fédération du bâtiment, c'est aussi construire, c'est aussi s'industrialiser, l'industrialisation des tâches, ce n'est plus un tabou, la RSE non plus, donc on avance tous ensemble, et on est bien d'accord. Sylvia Pinel le veut, eh bien moi je propose, il faut un grand ministère du logement, en tout cas de la construction, directement stabilisé à Bercy, et pas à chaque fois, écoutez-moi, ça fait un an et demi que je suis là, j'ai déjà connu deux adresses. Donc, quelque part, il faut de la stabilité. Stabilité, instabilité, c'est ce qui caractérise toutes les aides, tout le logement, tous les primes que l'on peut avoir depuis des dizaines d'années. Je le sais très bien, en tant que plombier chauffagiste, tous les ans, j'attends le 20 décembre pour savoir comment mes clients vont être mangés le 1er janvier, c'est-à-dire 10 jours après. Donc ça, c'est inadmissible. Et bien pareil, la FFB, nous avons décidé dans 3 semaines, jour pour jour, heure pour heure, nous recevons la plupart
des candidats déjà déclarés ou pratiquement possibles ou probables lors d'une table ronde à la salle Wagram. Et là aussi, c'est pareil. Nous avons nos propositions. Et vous allez leur faire pouvoir qui passer des messages, donc. Hein. Bien sûr. Et puis, on veut être au cœur. Nous, la construction, le monde de la construction, la filière de la construction, je dis bien en amont comme en aval, on veut être vraiment mettre urgence logement, le logement au cœur de l'économie. Et il va falloir qu'on ouvre le livre, effectivement, de l'écologie avec l'économie, du loger mieux, du loger partout, du loger aussi, non seulement dans les zones tendues, mais aussi dans les zones rurales, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Peut-être amender aussi quelques textes de la commission Rebsamen et parler de la RE 2020 qui va aussi malheureusement amplifier le prix de logement, la non-artificialisation des sols, pareil, le recyclage des déchets, pareil, tout en même temps, hein, et la crise qui arrive de l'énergie, sans parler de la crise des matériaux. Donc oui, il faut s'attendre aussi à pas mal de choses, donc il y a des nouveautés aussi à instruire. Christine Lecomte. Oui, je peux rebondir là-dessus, parce qu'en fait, on a énormément de choses qui se cristallisent en même temps. Je veux dire, on arrive dans un moment où il y a des crispations partout et on sent bien que socialement, ça va arriver, il va y avoir des problématiques fortes et pas simplement sur le mal logement, mais vraiment à toutes les strates. On peut prendre par exemple le pavillonnaire des années 70. Si aujourd'hui on rénove pas massivement, on aura des problématiques de copropriété horizontale dégradée et ça sera catastrophique à cause de l'énergie. Donc on est vraiment sur un constat qui est global. Et là, moi je pense qu'une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on attend d'un président de la République, c'est un récit. C'est une histoire, c'est une vision, c'est quelqu'un qui nous amène quelque part ensemble. Et ça, c'est aussi le but un peu régalien de l'État, c'est de nous donner un objectif collectif. Et cet objectif, eh ben, ça, nous, on peut le partager, notre, on peut partager nos constats, mais on a aussi besoin, et c'est même le fait politique, c'est ça, c'est de nous donner cette vision. Et cette vision, elle va forcément partir des territoires, parce que tous les territoires ne sont pas les mêmes, mais également, parce qu'on est dans un siècle de la sobriété, partir de nos ressources. Et là, je veux dire un mot pour le logement social. Je pense que le logement social, en France, est une ressource et qu'il faut conserver ce mouvement, il faut le renforcer, il faut lui donner une forte légitimité parce que pour nous, par exemple, qui construisons le logement avec la Fédération du bâtiment, avec les acteurs, on a besoin du logement social pour innover, pour expérimenter, pour fabriquer les nouveaux usages dans le logement parce que c'est dans le logement social qu'on y arrive. Et donc, par rapport aux enjeux du siècle, on a besoin de ça. Un dernier mot. Sur ce qui s'est passé l'année dernière, plan de relance, on a beaucoup dépensé. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'à l'époque des enjeux climatiques, quand on dépense, on investisse en même temps. Donc, on ne soit pas en train d'aller faire, par exemple, de l'isolation par l'extérieur qui vient de Chine, mais qu'on crée des filières d'isolants qui viennent en France, des matériaux biosourcés, qu'on crée des activités de proximité locale sur tous les territoires, entre autres cas, une architecture de circuit court. Ça, c'est faisable. Il faut juste mettre sur la table. Et ça, effectivement, Bercy pourrait nous aider. Christophe Robert. En 2 minutes. Non. Gardez votre micro. Oh là là, vous savez, il ne faut pas... Oh là là. On ne partage plus les micros. Oui, bah, déjà, je pense que l'appel de pouvoir se rassembler pour, au moment du temps de l'élection, porter une parole commune, moi, j'y adhère aussi. Je pense que c'est incontournable. On sait quand même que c'est important qu'il y ait des engagements qui soient pris à l'occasion d'une campagne, parce que c'est ce qu'on va pouvoir suivre. Dans l'histoire quand même des politiques du logement, le fait d'avoir fixé un objectif de production, alors sans doute il faut l'affiner par rapport à la réalité des besoins territoriaux, on ne peut pas avoir une lecture comme ça nationale, mais quand même, donc il nous faut de la visibilité, ça a été dit, il nous faut de l'ambition, sur le logement social aussi il nous faudra un chiffre sans doute qui devrait tourner autour de 150 000 logements sociaux, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renoncer à la RLS, c'était dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut mettre la TVA 5,5 au moins sur le PLUS, ça veut dire que, bref, il y a un ensemble d'engagements qui doivent accompagner ces objectifs. Je pense aussi qu'il y a une réflexion collective à avoir sur la question de la régulation globale des marchés. Alors, je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais à un moment, sur les terrains, alors ça rejoint le foncier public, hein, qu'est-ce qu'on en fait, à combien on le met à disposition, on le vend pour faire du logement social de façon plus significative qu'aujourd'hui. Je pense à l'encadrement des loyers, je pense à la maîtrise des coûts, de l'énergie aussi. On ne peut pas continuer à s'enfoncer dans des murs comme ça, constater que des gens ne s'en sortent plus, et à un moment, c'est ne pas avoir une intervention collective. Ce n'est pas idéologique ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que les gens puissent vivre dans de bonnes conditions. De la même manière, la continuité de l'action publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne ponctionne pas, je pense à Action Logement, comme on l'a vu encore pendant ce quinquennat, comme on l'a vu donc avec la RLS ou les APL.
L'autre levier, nous, qui nous paraît fondamental, c'est de faire monter en puissance la politique du logement d'abord. Là, il y a un engagement du gouvernement. Je salue la ministre qui vient d'arriver. Il faut qu'on passe un cap supérieur. Et qu'on salue. Il faut qu'on passe à un cap supérieur. On sait très bien que ça marche. On sait très bien que c'est bon pour les gens. C'est bon économiquement. Il faut passer un cap supplémentaire. Je voudrais juste dire deux mots aussi sur la relance de l'accession sociale. Ça s'impose. Ce gouvernement a coupé l'APL accession. C'est quand même un raté, je pense. Mais il va falloir rebooster. Alors, est-ce que c'est avec les OFS ? Est-ce que, voilà, on pourra trouver les leviers techniques qui permettront de le faire ? Et un dernier point. Tout ça, il va falloir le financer. Nous, à la Fondation Abbé Pierre, on pense qu'à un moment, il va falloir avoir une réflexion sur la répartition des richesses. Encore une fois, pas par idéologie, mais tout simplement pour se donner la capacité de bien loger les gens, de bien soigner les gens, de bien éduquer les gens. Donc la question d'une tranche d'impôt supplémentaire, la question d'une fiscalité peut-être sur, dans les mobilités, dans le foncier. Il y a quelque chose à faire là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a de l'enrichissement sans cause. Je pense qu'on doit avoir aussi une réflexion collective pour se doter des moyens financiers pour mener ces politiques dont nos citoyens ont besoin. Merci à vous, Romain Biessy, président du Conseil social de l'USH. Il vous appartient de ramasser et de conclure, mais quand on est président du Conseil social de l'USH, on sait tout faire. Merci. Merci. Beaucoup de choses ont été dites. Et il y a des chiffres comme ça sur lesquels je voudrais conclure. Le logement, c'est 30 milliards, 40 milliards de bénéfices pour l'État. Bon, voilà. Vous rajoutez les 10 milliards qu'il a piqués. Bon, ça fait un chiffre. Bon, ça, c'est une boutade, en conclusion. Mais, plus sérieusement, il y a trois notions fortes sur lesquelles je voudrais conclure. La première, c'est que la politique qu'on attend, c'est la politique qui va d'abord répondre aux besoins des usagers du logement. Et les usagers du logement, c'est prendre aussi en compte les transformations de la société. On a une société qui vieillit, on a une société dont la composition familiale se transforme, on a une société dont il y a des nouveaux usages, et donc on doit faire une offre de logement qui réponde à ces nouveaux besoins. Ça avait été un des pans importants des travaux du Conseil social. La seconde chose, c'est que lorsqu'on dénonce le fait que l'État ne donne plus d'argent sur l'aide à la pierre, au bout du chemin, ça veut dire que l'État ne se donne plus les moyens d'agir sur la maîtrise et sur l'aménagement du territoire. Ça veut dire qu'il se dépossède d'un laissez-faire, d'un libre marché. Il est temps que l'État refinance pour impulser une direction d'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, c'est répondre aux besoins des usagers, c'est aussi permettre de répondre à la question environnementale. Pendant combien de temps on va laisser des métropoles devenir des méga attractivités qui créent de l'exclusion autour ? Pendant combien de temps on va laisser des populations prendre des distances et des temps de trajet de transport pour aller au travail de plus en plus long, alors que la question carbone et la question écologique est déterminante? On a vu pendant la pandémie le problème que la solution des transports en commun saturés a mis des situations de blocage évident. Donc on a aussi un appel à une reconstruction quand on voit les nouveaux usages où il y a une porosité en ce moment qui commence à s'installer entre la vie privée et la vie professionnelle. Les travaux du Conseil social l'ont dit clairement, il y a des pathologies lourdes qui ont été observées pendant le confinement. Et que la solution, ce n'est pas nécessairement de travailler chez soi, c'est peut-être de travailler en bas de chez soi, c'est de faire des tiers-lieux. Très vite, la dernière conclusion du Conseil social, c'est que jusqu'à maintenant, les opérations de construction reposent sur le modèle économique, de l'équilibre économique de l'opération. Demain, il faut qu'à cette dernière décision soit associé aussi le bilan carbone du projet. C'est une responsabilité environnementale qui nous attend. Merci infiniment et bravo à tous les sept. Pardon de ne pas pouvoir vous donner davantage la parole. Mais vous savez, bravo d'avoir joué le jeu de cette table ronde au chausse-pied. Mais on est un petit peu contraint par le temps parce que une table ronde qui dépasse de 10 minutes, eh bien, c'est 400 congressistes qui loupent leur train.